Et bonsoir à vous sur YouTube. On recommence. Qu'est-ce qui se passe? Partie numéro 3 de Dragon Age. On a recommencé un perso puisqu'on a oublié de le personnaliser. Et puis pour changer, parce qu'en fait à distance j'en ai déjà fait un sur le jeu. Du coup c'est chiant. Donc on fait un Kunari. On va faire un personnage de corps à corps. On m'a demandé de changer la difficulté. Donc on va la changer. On va se mettre en mode chien aussi. Hein, donc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon allez. Laissez-moi partir. Je ne sais pas ce dont vous me croyez responsable, mais je suis innocent. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Salut Farah, parle-moi un peu de ce jeu que je ne connais absolument pas. Salut à toi, Jim. Ce jeu ça s'appelle Dragon Age. Le numéro 3. Alors, Dragon Age Inquisition, c'est le nom de. C'est le nom de ce jeu. Alors tais-toi, les dialogues, parce que le monsieur, je réponds à un monsieur. Un jeu de type classe où vous allez contrôler en fait, donc vous créez votre personnage comme un RPG un peu classique, ce genre de choses, et vous arrivez derrière sur un jeu qui sur lequel vous contrôlez 4 personnages sur lesquels va falloir faire des actions. Alors le mieux c'est de te montrer en jeu, c'est un peu compliqué d'expliquer complètement le principe du jeu. Ça ressemble au départ un peu à un délire de Skyrim-esque. Donc alors là les dialogues je les passe, pourquoi Jim? Parce que je les ai déjà fait juste avant. Donc en créant l'autre perso. Mais là je tente avec un perso au corps à corps. Et du coup on m'a demandé de changer la difficulté. Donc changer la difficulté. Vous voulez que je joue en cauchemar? Et ben on va jouer en cauchemar. On va se faire latter la gueule. Comme ça vous serez bien content. Et voilà. Bon. Grosso modo, là ça ressemble un peu à un délire un peu Skyrim-esque. La différence étant Lexi, la seule fois où j'ai regardé, elle a montré ses boobs. J'avoue, putain, t'as pas de mal. La seule fois où t'as regardé, c'est mercredi dernier et elle a eu un problème de. Un problème de t-shirt, on va dire. Voilà. Bon, go! Donc. On a créé un gros bourrin, Jim, un bon gros. Donc ça s'appelle un Kunari. Ouais, Farah va se faire def, youhou! Mais tout à fait! C'est pas grave. Oh, la marque! Ah. Donc j'ai une marque sur la main verte, donc ça c'est trop la merde, on sait pas trop ce qui se passe. Et ça pique en fait. Puisque là-bas il y a une brèche qui s'est ouverte, comme tu peux voir. Et il faut aller la fermer. Parce que... Erupto il est tout excité, ah bah tu m'étonnes, attends. Un personnage avec son nom... Moi si j'étais viewer et que... Et qu'il y a un streamer qui mettait mon nom sur un personnage, je serais trop content. La classe un peu, la pesance. Voilà, le pont s'écroule, on rencontre nos premiers ennemis. Alors... Non. Oh, une épée. Oh, viens te battre, chien. Puis R pour attaquer. Non, voilà. Alors ça, on l'a bien cloué au sol, là. Mange. D'accord. Meurs. Voilà. Lâchez votre arme tout de suite. J'en ai besoin. Un démon m'a attaqué. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Vous n'avez pas besoin. Vous voulez dire que ça ne sont... Non. Voilà. Allez en avant. Passons tout ça parce qu'on l'a déjà vu, c'est la scène d'intro donc. Oui, calme-toi. Alors. Putain, non. Hop. On a un nouveau casque, on équipe tout de suite le nouveau casque. 3% de dégâts en plus. Hop. En avant! Ouais, ça fait plaisir, j'aimerais pouvoir streamer aussi régulièrement. Bien, soon! Soon, Erupto. Des démons! Je vais me faire éclater, en vrai, je vais me faire éclater. Allez, tu prends celui-là, je prends celui-là. Meurs! Vas-y, équilibre. Mais pourquoi t'attaques le même que moi? C'est nul. Non, t'as aucune notion de stratégie, Cassandra, tu déconnes. Bonjour. Allez. Voilà. Au bout d'un moment, on skill patron. Oh, là-bas, du stuff. Qu'est-ce qui t'en empêche? Bah, c'est qu'il a pas une bonne connexion, malheureusement.
Malheureusement, je suis sûr de la selle, c'est prévu. Ouais, le déménagement est prévu, tout à fait. En avant. Ouais. Alors attendez, lui il m'emmerde, hein, donc occupe-toi de lui, copine. Moi je. Aïe. Ouais, regardez ma vie déjà. Hein. Voilà, faut esquiver les. Faut tenter d'esquiver les. Hop là. Hop là. Hop là. Il s'est mis un shield en plus, quoi. Comme si c'était pas déjà assez compliqué pour moi, alors que je suis à distance. Enfin, que je suis un cac. Voilà. Voilà. Santé faible. Non, le jeu vient de commencer, quoi. J'ai la fibre à la maison. Echo qui perd pas le nord. N'oublie pas de brancher la cam. 2 heures, tu fais vite. Cette fois, tu cèdes. 2 heures de douche, reste compris, ne t'inquiète pas. Brancher la cam pour toi. Bah oui, normal, t'en fais profiter un petit peu, c'est normal. Potion! On va se faire def. On va se faire def en mode cauchemar. Vous me saoulez avec vos défis ridicules là. Je vous jure. En avant. Alors, approche-toi. Mais allez, putain de. Voilà, fais-moi le malin quand on est cloué au sol. Hein. Seulement douche, resto, c'est trop cher. Je suis d'accord. Ça fait cher le resto, surtout si tu sais pas ce qui se passe après. Payer un resto, oui. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Challenge. Ouais, mais mec. Un challenge, un personnage à distance, je l'aurais fait. Au corps à corps, jouer en mode hardcore. Enfin, voilà quoi. Je vais tellement me faire éclater que. Là, regardez ma vie, quoi, c'est. C'est nimp. Pourquoi je vous écoute en fait? Faut que j'arrête de faire ça. Hein. Je viens d'utiliser une potion il y a 2 secondes, tu te moques? Enfin, dégage. Mais en plus, on le saoule, quelle gratitude. Mais non, mais. Oh là là. Et Connie, arrête de faire ta typical woman, hein. Ça suffit. C'est très bien que c'est pas dans ce sens-là, mais. Dans le sens que ça va être une horreur, quoi. Mais enfin, bref. C'est fait, hein. L'avantage, c'est que si ça me saoule trop et que je vois que c'est trop dur, je changerai la difficulté, je la baisserai un peu. On peut changer en pleine partie, donc c'est pas très grave. Bonsoir à vous, hein. Il y a l'air d'avoir des nouveaux viewers, on est 7 d'un coup. Bonsoir, bonsoir à vous. Je vais regarder, tiens, est-ce qu'il y a des nouveaux gens dans le chat? Mais tout à fait. Toxipixar et Krish. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous deux. Allez, Farah, montre-nous ton skill, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tu vas voir. J'ai déjà plus que 5 potions, quoi. Tout à l'heure en archi, j'en avais 8, quoi. Jeu de merde. Charger. Ah, un petit bug en mode. Là, il y a un mur, mec. Ah, d'accord. Provocation. Et derrière. Voilà. Voilà, on cloue les deux au sol. Là, ils font bon les malins, là. Hein. Venez m'aider. Ne vous inquiétez pas. Après. Ça. Après, on jouera pas en. Alors là, on passe. On sait qu'on peut fermer la faille. Blablabla. Bla, on l'a vu tout à l'heure. Allez, go. Qu'est-ce que j'ai à dire? On va pas jouer en tank, hein, vous inquiétez pas, surtout pas. On va jouer en dégâts purs. C'est-à-dire que c'est Cassandra ou. Pour pas spoiler, ou un autre. Qui va faire le travail à ma place de tanking. Et moi je vais m'occuper de faire des dégâts. Il faut pas que je tank, absolument pas. Jamais. Ça va être. Sinon ça va être boring. Mais vous avez vu, regardez l'épée que j'ai. Enfin la hache là. Pouah là là, comment elle pète! Sa mère!
Le nombre de viewers a augmenté quand Echo a parlé de son... Ouais. Je suis pas sûr que les viewers ils entendent Echo parler avant, mais bon, allez, partons du principe que oui. Ce serait marrant, effectivement. De nouveaux viewers, bah effectivement, ça fait plaisir. Maintenant, faut que. À moi de bosser pour les faire rester. Alors, du coup, ça, par contre, ça m'intéresse. Je me pose toujours la question, Krish. Comment t'es arrivé là, en fait? Je pose la question toujours aux nouveaux viewers. Est-ce que tu recherchais du Dragon Age? Est-ce que tu cherchais un streamer français? Est-ce que tu. Voilà, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que, voilà, X ou Y? Ça m'intéresse. Savoir en fait comment tu t'es retrouvé ici. Alors, ouais, alors par contre, voilà. Là, la caméra, quand je joue en DPS, elle va être intéressante dans le sens où il faut indiquer à Jean-Michel 1 et 2, là, c'est eux qui doivent attaquer en fait. Parce que vous avez des sorts et il faut attaquer les gars à distance en fait. Parce que oui, c'est pas au cac d'aller à distance chercher des mecs, c'est chiant sinon. Vous voyez un peu le. Voilà, là, on fait une provoque, mais c'est juste pour gagner du shield en fait. Vous voyez, j'ai une barre de shield tout en haut. Et du coup, c'est ça qui. Ah, je croyais qu'il y avait des lags sur le jeu, mais non, c'est quand je fais des pauses du coup. Hadouken! Allez, meurs. Démon de l'enfer! Voilà. Alors, qui est le patron au bout d'un moment? Je veux savoir si c'était le seul à avoir des chargements interminables sur Dragon Age. Alors, effectivement, il y a quelques temps de chargement qui sont un peu longs. Maintenant, j'ai envie de dire, sans moquerie aucune, ça dépend beaucoup du PC. Hein, c'est-à-dire que j'ai un PC qui est pas dégueu, enfin, qui est pas encore ouf, il est pas absolument ouf, hein, mais qui est pas dégueu. Et du coup, ça me permet d'avoir des temps de chargement, je pense, qui sont respectables. Hop, potion pour toi, bro. Hop. Allez, dégage, laisse-moi passer, mais gère. A priori, ils sont pas interminables. Pour l'instant, les temps de chargement qu'on a eu, effectivement, pour le moment, ont pas l'air interminables. Maintenant, ça peut changer. Donc, on va aller là-bas, puisqu'on a vu que finalement, là où il y avait une grotte, on l'a découvert tout à l'heure par hasard. Donc, c'est pas l'objectif, mais go! Il a senti les boobs. Passe par la montagne cette fois-ci. Oh non! Bon, ok. Si tu veux. Je passerai par la montagne. Mais tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, bref. C'est que là, il commence à y avoir des gens sur le chat. Et c'est là que ça peut devenir marrant. Quand il faut faire des choix tactiques et tout. Demander, tiens, le chat, qu'est-ce que vous voulez que je fasse et tout. Je pense que c'est le moment où ça va être marrant. Ah, go! Voilà, j'ai un shield plus. Enfin voilà, là, là, je peux aller au cac et foncer dedans, j'ai pas peur. Vous voyez la barre d'armure en haut qui s'en va petit à petit. Mais tant qu'elle est pas à zéro, je peux pas perdre de PV. Alors. Je suis plutôt tranquille. Voilà. Et du coup, on fait le combat en ayant perdu 0 PV. C'est bien. Salut Nordéat. Hi. Donc, la même. Hein, on a gagné les mêmes choses que tout à l'heure. Vous voyez, ça, c'est ce qui est marrant, c'est ça. La hache qui reste pleine de sang et tout, pleine de tout dégueu. Donc, on va s'équiper de l'amulette qui permet, comme j'expliquais, si jamais tout à l'heure. Si jamais votre vie tombe à 0, en fait elle remonte à 50. Pour la suite, mais au moins pour celui-là, montre-le nous. D'accord. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, Varric. Après, j'ai joué Day One et j'ai fait que 3 persos du coup. Avec les derniers DLC, ils ont peut-être optimisé leur jeu. Alors, possible, maintenant, j'ai pas le dernier DLC, Krish, moi. Le dernier DLC là qui est sorti en mars, je l'ai pas. J'ai le jeu de base en fait. J'ai aucun DLC supplémentaire. Allez. Donc, du coup, c'est vraiment le jeu d'origine qu'on va pouvoir observer. Je fais confiance à mon mal intérieur. Et oui, j'ai essayé le multi. Alors, ça donne quoi, Krish, le multi? C'est quoi? C'est cette campagne-là en fait, en mode multijoueur, tout simplement? Où il y a un peu plus de.
Où il y a d'autres détails techniques. Alors toi tu as attaqué lui bien entendu. Hop. On sort ça. Toi tu attaques. Ah mais... Non mais meurs. Là avec un ça. Et moi je pars à la guerre. C'est le multi de Mass Effect. C'est nul. C'est le multi de Mass Effect mais avec des épées. Ah. Bah fromage du coup. Tu m'envoies déçu. Allez, on gagne un peu de shield. Là on va commencer à prendre des dégâts parce qu'ils sont nombreux. Alors. Varric, je t'ai dit d'attaquer les gars à distance. Est-ce que tu peux m'obéir une seule fois dans ta vie? Merci. Bien aimable hein. En fait, là, faut réussir à bien se placer pour pouvoir mettre un coup de sur les deux. Voilà. Ah, varie. La santé est faible. Solas. Voilà. Prends une potion. Serre-toi, mon ami. Un bon petit shield. Alors, le shield, ça va être un des trucs essentiels du jeu, du coup. Puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, on n'a pas de sort de heal. On a ni sort de heal, ni... voilà. Ni je sais plus quoi, ni... À part les potions, en fait... On a rien. Donc du coup, fromage. Le fait qu'il y ait Mass Farm. Et que si tu veux vraiment que ça devienne fun sans passer ta vie dessus, faudra passer à la micro-transaction. Ah ouais, non. D'accord. Bon, chiant alors. Chiant du coup. Bon. Dommage. Ça aurait pu être bien. Et... Ouais, t'inquiète, on vous aide, on vous aide. Meurs. Voilà. Ah bon, bon. Là. C'est du... Oui, c'est du... Pour ceux qui connaissent pas Mass Effect. Putain, mais Connie, tu connais pas Mass Effect, tu connais pas Dragon Age, tu connais pas... Il y a un moment, je peux plus t'aider, moi. J'ai atteint la limite, tu vois. Armée bouclier, non. Donc, maintenant, vous appelez des capacités, Ok, bon, voilà. Arme de main, maître des guerres, avant-garde. Servant d'appât, ancien manique. Oui. Alors, maître de guerre, c'est quoi ça? Grappin. Le grappin. Oh, ça va être bien, non? C'est quoi ça? Entaille. Entaille ou bien briseur de bouclier. Vas-y, on va tenter le grappin, ça va être marrant, non? Trop bien. Trop bien, on a le grappin. Ça y est, on a les droits. Ah ouais, mais alors là, c'est le reproche qu'on avait fait avec Skyrim de pas pouvoir y jouer à deux. Bon, bah, mais apparemment, le multi est nul, donc. Du coup, fromage. Bâton de feu. Ah, voilà. Donc là, on a un bâton pour... hop, Solas. Solas. Solas qui est un bâton tout nul, du coup. Ah non, pas tout nul. 29. Bon, un petit peu plus. Alors, là, c'est le moment où on peut hésiter. C'est là qu'il faut commencer à réfléchir dès le début, hein, parce qu'en fait... Il y a 6 de volonté, c'est bien, ça va augmenter la puissance, sauf que le bâton que j'ai actuellement d'équipé fait 11% de dégâts bonus sur la barrière. La barrière, c'est le shield qui nous met. Donc le shield est plus puissant. Du coup, faut garder le shield. Oui, eh oh, je suis là, bonjour. Alors on m'a dit, il faut passer par les montagnes. Mais il peut y avoir des victimes. C'est dangereux, hein. Tu veux qu'il y ait des victimes, t'es pas gentil. Bon bah go alors. Après Dragon Age, c'est un jeu solo. Ouais. Bon bah, je pensais l'acheter pour ma copine et moi faire le coop, mais au moins, je sais que non, bonne idée. Ah bah, du coup, fromage. Allez, on passe par les montagnes. C'est parce que t'as envie, hein, mais je pense pas que ce soit hyper worth it en vrai. Mais bon.
Regardez, la LIA, elle voilà. Ah, là, c'est bon, let's se... Ah, calme-toi, calme-toi. Grimpons, grimpons. Je ne suis pas payé pour être gentil. Alors là, vous voyez, ils sont hyper loin. Et d'un coup, ils vont se TP sur moi. Je pense. C'est pour ça que ça fait. Bonjour! Ah oui, mais je suis con, je suis en cauchemar. Faudrait peut-être que j'évite de faire ça en cauchemar en fait. Au secours! Bonjour, je voudrais un shield. Merci, bien aimable. Oui, il faut que je teste le grappin. Vous allez voir, attendez. Alors, on prend lui et on fait. Mais non, mais mets-toi pas devant, putain. Bon, ça marche bien, mais. Ah, on a éclaté les deux. Bon. Friendly Fire. Alors, non, comme c'est la première fois que je fais du hardcore, pour l'instant, je l'ai pas activé le Friendly Fire. Parce que je pense que ça va être un carnage si je l'active, Krish. Mais c'est mes viewers, c'est des tarés, ils veulent que je joue en friendly, en hardcore. Et... Mais t'aurais pas dû leur dire qu'il y avait le Friendly Fire, sinon maintenant ils vont me le demander. Maintenant ils vont me dire, hey mec, tu jouerais pas en Friendly Fire, putain. Ça va être un... Tiens, Farah, il a pas de bol de jouer en Friendly Fire. Putain de merde. On avait fait de passer par là, en fait, il y a des trucs. Bouclier du griffon, cool. Enfin, on est content. Allumé. C'est quoi, c'est pour juste. Farah, c'est une plaie. Farah, tu le. Là, je suis tout à fait d'accord. Laisse passer le tank devant. Tu le sais, t'es un homme. Non, mais le passe-panique est tellement mal foutu que ça serait idiot. Je suis d'accord. Là-dessus, c'est un truc qui est horrible. C'est que les mobs te suivent et il y a des moments où ils te suivent en mode. T'es en mode, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils passent par là? Et du coup, si t'actives, enfin voilà, non quoi. T'actives le Friendly Fire, c'est autant arrêter le jeu tout de suite quoi. Parce que autant au début, tu vas peut-être t'en sortir et tu vas faire ah ouais, bon voilà, c'est marrant et tout. Et au fur et à mesure, ça va être impossible et du coup, ça va te plaire. Laisse passer le tank. Ouais, en vrai, ouais, mais du coup, je joue pas mon perso si je laisse passer le tank, c'est chiant. Alors, on va tester le grappin. Ah bah ça marche bien. Ah ouais non mais il était gelé du coup on n'a pas pu le grappe. Mais l'idée était là sinon. Santé faible. Ah ouais genre donc direct hein. On est en mode Là on va essayer de faire il grappe hein. Mais merde il y a encore un mec qui s'est mis devant. C'est pas possible ça. Tuer l'ombre main. Alors normalement l'idée hein, c'est comme dans n'importe quel jeu, faut d'abord tuer le Friendly Fire for Men. Non mais non. Non mais là je l'activerai pas par contre. En plus voilà, j'ai le soutien de Krish qui lui a déjà joué au jeu et qui sait à quel point c'est cancérigène de mettre le Friendly Fire. Donc il me soutient. Donc vous êtes fromage. Vous mourrez pas là-dessus. Ça va, au bout d'un moment, ça suffit à comédie quoi. Alors, hop, hop. Ah, tout mon escadron, ils sont là. Ah ouais. Ouais, ouais. Il y a carrément plus de monde. Quoi? Ah, il y a une faille sur la route et tout. Ah oui, donc c'est... Donc là, grappin. Mais ça marche pas le grappin, c'est merdique. Merde, y'a tous les soldats là, faut aller les sauver, vite, 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 vite. Attendez, c'est bien, et la tire à vous là. Ah, j'étais peut-être trop loin, non? On va voir, on va voir. Attendez, on va tuer lui là. Dégage. Voilà. Ouais, 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 vous êtes en vie. Je veux réussir un grappin, donc. Pas un mec gelé, un mec normal, là.
Ah voilà, là ça marche, ok. Faut vite le latter avant qu'il channel son sort, sinon c'est... C'est qu'à un certain point du jeu, les sorts de Solas one-shot le perso avec le plus d'HP. Et que du coup, bah si on est dessus, on est fromage. Et Rupto, tu n'as plus aucune autorité sur Phare. Attention à ta vie. Ouais, mais je suis large. Elle est refermée. Vous commencez. Espérons que ça marche. Heureusement que vous êtes arrivé, Dame Cassandra. Remerciez notre prisonnier. Le prisonnier. Mais alors du coup ça. Alors... Du coup ça change l'histoire là. On n'a pas été sauvé Lord Machin là. J'ai oublié son nom. Pas le temps de bavarder. Kellen. La voie est libre vers la vallée derrière nous. Allez-y quand vous le pouvez. Entendu. Notre route semble également dégagée. Dépêchons-nous avant. Ouais. Bah, c'est dans ces moments-là qu'un petit sort de zone de heal. Le temple est par là. Ça serait sympa quand même. Maintenant, le jeu ne veut pas, donc on ne le fera pas, mais... Tu veux un bisou? Calmez-vous. Ça, c'est sûr, quand on s'appelle Erupto, on a le droit à des bisous. Hein, mais quand c'est Pharah, alors là, ma cache. Hein. C'est ta première partie ou t'as déjà fini le jeu? Non, j'ai jamais fini le jeu. J'ai déjà joué un petit peu, Krish, mais pas... pas hyper longtemps, si je me souviens bien... Allez, go. Ouais, donc il y a des trucs où faut pas trop spoiler en fait. Alors, vous souvenez, quand on a fait l'autre partie avec l'archer, on est arrivé de là. On est arrivé de la porte là, tout droit. Donc là, on a perdu masse temps en fait. Mais bon, allez, c'est pas grave. Peut-être un détail pour vous. Casque de dextérité. On peut le donner peut-être au nain du coup. Voilà. Toi, est-ce que tu veux un casque de... Ça. Voilà, plus d'agilité, du coup, bien. T'es content? Non? Capuchon de résistance au feu. Au niveau 6, donc fromage. Ah, pardon, si tu parlais comme ça... si, si, Dragon Age Origin déjà terminé. Dragon Age 2, j'ai joué 2-3 heures. Ça m'a dégoûté, comme beaucoup de fans de Dragon Age. Je l'ai trouvé nul à chier, mais vraiment. Du coup, j'ai arrêté. Allez, go, on a déjà vu ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors, bon, tout à l'heure, j'étais tout droit, mais du coup, si je vais à droite, qu'est-ce qui se passe? L'heure de notre victoire a sonné. Amenez la sacrifier. Amenez la sacrifier. Du lyrium rouge. Vous savez que c'est du lyrium rouge, ça, chercheuse. Je le vois, Paris. Et alors, ça vaut de l'argent? La bête s'est peut-être nourrie du lyrium sous le temple. Bon, ça me saoule. Go! C'est extrêmement dangereux. Surtout, n'y touchez pas. Voilà. On a le droit d'écœur, je t'ai demandé en mariage. Allez, donc on va tenter de refermer la brèche. Il va y avoir le gros monstre de l'enfer qui va pop. Go. Wow. Alors, on fait moins le malin quand je te mets des coups de hache dans le dos. Hein. On va se faire éclater en hardcore, je vous préviens. On va se prendre un coup comme ça de machin là. Ah. Aïe aïe aïe. Bah voilà. Alors là c'est la mourance hein. Alors ça a été tellement vite que regardez, mon perso est censé être mort.
Mon père. Le jeu est bugué. Mon perso est mort. Mon perso est mort, mais il est encore tout droit. Je peux rien. Ah, voilà. Je suis enfin mort, peut-être. Non. Non, bah super. Mon perso est bugué, regardez, il bouge alors qu'il est mort. Bon, bah voilà. Hein. Merci au jeu de qualité. Et du coup, je peux plus rien faire en fait. Du coup, je peux. Ça sert à rien que j'arrête. Faut que j'arrête de jouer. Parce que sans fermer la faille, je peux plus. Je peux plus jouer. Donc. Voilà, là mon perso est mort. Là j'aurais pu le reste par exemple. Bon, maintenant. Bon, voilà. Bon, ça c'était prévu. Ça c'est pas grave. Bon, on fait là. Du coup, il y a du mana. Oui, bien sûr, il y a du mana, bien entendu. Y a des, au lieu des potions de vie, il y a des potions de mana. Qui s'appellent des potions de lyrium dans Dragon Age. Piu-piu-bug. Tout à fait. Hashtag piu-piu-bug. On va couper juste la VOD tout de suite. On revient dans quelques secondes. Bougez pas.